salut à tous les amis. On se retrouve sur une nouvelle vidéo de Pokémon Masters. Enfin, à chaque fois que j'ai fait mon opening, j'ai vu que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Pokémon Masters, ça datait de Noël. Donc je me suis dit, on est en juin, il faut que je reprends maintenant, sinon je vais jamais reprendre. Du coup, là, on a pas beaucoup d'événements, on a 3 ou 4 événements pour l'instant, donc c'est pas beaucoup par rapport à d'habitude, malheureusement. Mais on va bien finir par trouver quelque chose. Hein. Du coup, aujourd'hui, on est le 25, du coup, c'est la journée de Pokémon Master aujourd'hui. Qui dit journée dit 500 diamants, hein. Vous connaissez maintenant, je pense. Que vous avez ou que vous n'avez pas vu. Pas que par moi d'ailleurs, par d'autres youtubeurs ou autres. Enfin, voilà. Du coup, ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est l'événement. Comme vous pouvez le voir ici. Ah non, on a 1, 2, 3, 4, on a 6 événements, ok. J'avais oublié qu'il y avait tout ça. Et je propose qu'on fasse combat contre les rivaux, si ça vous va. Je ne peux pas répondre. C'est que dans les commentaires c'est après la vidéo. Oh non. Combat contre les rivaux. Ah, on y va, mon gars. Allez, bon, on a... Ah, mais il y a plein de types qui sont possibles. Ouais, du coup, j'ai eu Oshiny en vidéo, donc c'est le dernier que j'ai eu. Hein. Il faut savoir c'est Ebi ou Lugia. Pour l'instant, aucune trouvaille, malheureusement. Mais vous inquiétez pas, ça va venir un moment. Puis, j'espère que voilà, va le faire quand même. C'est juste ce que j'espère. Parce que franchement, je vous dis, hein, si ça ne marche pas, je suis dégoûté. Et puis, j'espère que le combat se passe très bien. Parce que n'empêche, avec Xerneas, Lunala et Rayquaza tout chez lui, hein. Alright, let's do this! Ta gueule, même les gars, franchement, c'est trop dur. Enfin, mais... Let's go! Here we go! Let's go! Together! Let's go! Mais j'ai inattendu. Ready! How's this? Il est baissé à 3. Désolé pour le nom. C'est parce que là, il a un peu de l'enfer. Désolé pour le lag de... Here goes. Désolé. C'est la première fois que je teste sur 1080. Go for it. Ok, d'accord. You can do it. Now. C'est que d'abord. Now. Go! Go for it! You got this! Voilà. Now! Go for it! That really hit me right here. Ready. All or nothing. Allez mon gars. Non. Même pas. That was unfortunate. Personne. Here we go. Oui, sur quoi, c'est pas mal. Sauf que je peux rien faire. No.
J'ai pas pris mon précaution de pour mon équipe. Enfin, pour l'équipe que j'ai pris. Parce que je me suis juste dit, ah bah c'est bien ça, au moins. Quelqu'un ? Parle. Personne. Du coup. Dépêche-toi, mon gars, il faut que je baisse aussi un petit peu que je son. Ah oui, mais j'ai 9 équipes. Oh ! J'ai oublié. Alors attends, je vais couper la vidéo vite fait, je vais changer quelques paramètres. Bon, c'est bon, les paramètres sont changés du coup. Voilà, on a rien vu pour le truc. Hein. On va y aller. Du coup, comme j'arrive déjà pas pour le premier combat, je pense qu'on va faire autre chose. Voilà, ce sera mieux. On va faire la journée Pokémon Master à l'ouest, parce que de toute façon, c'est là, c'est le jour. Donc, il n'y a que aujourd'hui en fait. Donc c'est pas mal. Franchement, niveau 10, 900, il n'y a que des Pikachu, donc avec la magie, et c'est fait. Parce que vous savez que dans tous les jeux, avec la magie, touche tout le monde. Donc là, comme elles sont 3, let's have a battle. Non, c'est 3 jeteuses avec 3 à l'aide, 3 c'est des mal. Here we go, here we go, here we go. Voilà, quoi. Let's go. Ce sera pas sûr. Allez, et la magie, c'est finish. Yep. Ça allait, ça allait, c'est pas possible. Oh là là. Maybe we would want if I weren't here to close. Oui. Et ben on y va. Allez, bon. Là, je vais suivre toi. Ça, ça, faut pas l'oublier. J'espère que vous les avez oubliés. En fait, j'aime pas trop cette tenue aussi de votre ex en fait. Je sais qu'elle représente bien la chromatique, mais bon. Voilà quoi. C'est normal, elle rappelle un petit peu l'espace et la lune là quoi. Alors cette tenue en forme de lune chromatique, j'aime pas. Le défi bonheur ou pas? Non, ça je le ferai tout seul. Rivalité en trio? Ah oui. Ah non. C'est un truc comme ça. Non bah ça je vais pas chez moi parce que ça c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'événements. Bon bah ça va faire, c'est pas bien. Tu vas m'arrêter. Je n'ai même pas encore fait Johto. J'ai même pas commencé. Voilà. J'ai même pas commencé. Ça vous dit pour l'instant. Pour l'instant, pour ce qu'il y a pour l'instant. Parce qu'il me semble qu'on voit une mise à jour justement plus tard pour rajouter du contenu là-dessus. L'organisation reprend du service. Allons-y. Pêche la musique est exceptionnelle. C'est ça qu'il y a plus de musique, forcément. Trop marron. Oh le ronflex. Pourquoi il y a pas d'imagination ? Dommage. Le phénomène du Nomax. Une force inégalée, capable de tout décrire sur son chemin. Ah oui mon gars, tu veux quoi? L'idée de passion est décidément un endroit fascinant. Ouais, t'as vu? Il y a la force de l'évolution et le Nomax en même temps, c'est trop bien. C'est un peu comme le hey. Galard. Maître Giovanni, nous, admins de la Team Rocket, nous sommes désormais tous présents. C'est un honneur d'être à nouveau à vos côtés, maître. Nous sommes entièrement à votre disposition. Vos désirs seront des ordres. Maître Giovanni, vous avez encore plus la classe que d'habitude. Ah, c'est vous. J'imagine donc que vous êtes au courant. Nous reprenons du service. Notre première mission est de prendre le contrôle de Passion. Listen. Pour ce faire, nous avons besoin d'un nouveau pouvoir.
un pouvoir plus puissant que ce que nous avons employé jusqu'à la prochaine. Tenez-vous prêts. Vous allez avoir du travail. Bien, mais... il nous faut d'abord finir quelque chose. Salut, Dondilla. J'ai trop peur, j'avais dit. Oh, il y a deux oh, oh. Trop bien. Let's see how good you are. Let's do this. All right, let's do it. I see. All right. Il est temps de prendre ma revanche pour toutes les fois que tu m'as battu. Oh oh, donne tout ce que tu as. Ready. Je n'ai absolument pas l'intention de te laisser gagner. Dracolos, contre-attaque. Bam. Ça fait... ah, apparemment, oh, il a eu mal. Not bad. C'était un incroyable combat, tu as failli nous avoir. Ça ne change rien au fait que j'ai perdu. That was marvelous. Nous avons tout de même eu chaud pour plus d'une fois pendant le combat. Ah bon, on n'aurait pas dit. Yes. Non. Laissez son visage révélé ce que le ressent est un signe de faiblesse. Tout à fait, mais votre travail d'équipe n'en demeure pas moins impressionnant. Il a fallu allier la puissance de Zachi et Noctali pour vaincre. Incredible. La combinaison des deux OO était également excellente. Ça n'a pas été chose facile pour nous de remporter ce combat. Tu entends ça, Silver? Enfin, plutôt une bonne équipe, hein. N'empêche qu'un jour, je réussirai à vous battre. Alors, vous feriez mieux de vous y préparer. Hello. Est-ce que vous vous interrompre? Silver, on retient l'instant. Ah, c'est Kirill. C'est bien ça. Yeah. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Please. Je voulais te demander quelque chose. Lutte m'a raconté qu'à l'époque où il a rencontré, tu étais le genre de personne qui ne reculait devant rien pour devenir plus fort. Et que tu es même venu à voler les Pokémon d'autres personnes. Sorry. Kirill, tu ne devrais pas. Hey. Laissez-le finir. Et donc, qu'est-ce que tu veux savoir? Please. Je voulais entendre la raison pour laquelle tu as décidé de changer. Je veux dire que tu agissais ainsi car tu pensais que c'était nécessaire pour accroître ta puissance, n'est-ce pas? Ne t'es-tu jamais dit que si tu avais continué sur cette voie, tu aurais pu devenir encore plus puissant? Oh, I see. Pas trop. J'ai longtemps cru que pour être le plus puissant des dresseurs, je devais posséder de puissants Pokémon. Mais malgré tout, certaines personnes restaient imbattables. Alors j'ai abandonné cette façon de penser. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à gagner. Oh, I see. Maintenant, je commence à me faire guider. Laissez pas gêner. Est-ce que ça aurait à voir avec le pouvoir des liens ou la force de l'amitié? Yeah. Être proche de ce Pokémon, c'est vraiment le minimum pour un dresseur. I hate the weak. Mais disons surtout que je ne supporte pas la vue de ces dresseurs médiocres qui se la racontent juste parce qu'ils sont en couple. My bad. Je vois, je t'en remercie, Silver. Et désolé pour le côté soudain de ma question. T'inquiète, ça ne m'a pas dérangé. Je peux pas te dire que les deux relatives auxquelles je valide aussi à une cause. Ça signifie que tant qu'on a une connexion spéciale avec nos Pokémon, tous les moyens sont bons pour devenir plus fort. C'est une question facile. Hein? Un peu difficile? Je sais pas si je ne vois pas ton reconnaissance aux avant-points. Hey! Attendez, il a l'air mal en point, non? On dirait pas. Je dis pas qu'il est en train de. Oh, c'est bien axé. Eh ben, c'est logique! C'est totalement logique, les gars. Bah oui, les amis. Et ouais. Vous allez revoir mon équipe en action, les gars. Et ouais. Allez, mon gars. Mes trois compagnons de route. I'll take care of this. Ready. Looking good.
Allez, dégage mon gars. Je suis là pour faire avancer. On peut faire un temps de battre. Allez, c'est bien. Si vous avez Meiga Rayquaza, il n'y a qu'une liste qui est nulle pour un Master Festival. Il est trop bien. D'accord. Voilà, je vous dis. Dresseur solitaire. Yep. Why? Que c'est passé avec ce Gepi? Pourquoi c'est dégrimaxé aussi soudainement? En plus, il s'est échappé dès que nous l'avons vaincu. Plus il s'approchait de nous, plus il semblait évident que ce soit. Que le similaire est déjà arrivé dans, par le passé. Yeah. Tu parlais de ce qui s'est produit avec les Terrazos, n'est-ce pas? Yeah. Oui, après son arrivée à Passo, de nombreux Pokémon ont commencé à se dégrimaxer sous son influence. Il était plongé dans le chaos vu que personne ne comprenait ce qui se passait. Mais Tarak a fait état à son partenaire et tout est redevenu normal. Enfin, jusqu'à maintenant. Peut-être qu'un phénomène similaire s'est en train de se reproduire. Ce Pokémon avait vraiment l'air de démorpher. A mon avis, ce n'est pas lui qui a fait de ce démorphe tout seul. On l'a sûrement forcé à le faire. Rendons-nous au laboratoire de la professeure Bénis. Nous continuerons cette discussion là-bas. Il m'a manqué de faire tout ça, ça je vous dis. Il m'a manqué. Y'a rien, hein. Y'a quoi, hein. Alors. Aha. Vous avez rencontré un Pokémon dynamaxé? Yeah. Oui, par exemple, Clément et Martina sont restés là-bas afin de regarder un œil sur la situation. Excusez-moi. Il se trouve que j'ai déjà reçu plusieurs signalements à propos d'un incident similaire. Hein? Quoi? Yes. Ils sont encore peu nombreux pour l'instant, mais j'en reçois de plus en plus. Au rythme où vont les choses, nous pourrions vite être débordés, alors j'ai demandé à Red et à Blue d'intervenir. D'autant que je pense savoir qu'il est derrière tout ça. Hey. La team Rocket, c'est ça. Il nous espionnait tout à l'heure. Yes. Dans le mine, des membres de la team Rocket ont été aperçus non loin de chaque Pokémon d'une galaxie. Pourtant, on dirait qu'ils n'ont aucun contrôle sur ces Pokémon. C'est bizarre. Hey. Oh, mais attendez, vous pensez que... La Team Rocket se contente uniquement de forcer le Pokémon à se dynamaxer. Yeah. C'est ce que j'allais dire. J'ai déjà vu la Team Rocket forcer un régulateur à évoluer contre son gré. Il souffrait énormément et a commencé à se déchirer. La Team Rocket ignore totalement les sentiments des Pokémon et les considère comme des objets. No way. À mon avis, il parlait du Léviathan rouge de la colère dans un Pokémon or et argent. Mais ils ne s'en sortiront pas comme ça, je vais m'en assurer. Excusez-moi. Où va-t-il, le verre? Je vais m'occuper d'eux à ma façon. Hey. Tu viens pas avec nous? Yeah. Je préfère travailler seul. Je veux pas devenir comme la tyranquette dont les membres sont incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Il a pas de mort. Je me demande ce qui lui arrive. Il avait l'air particulièrement remonté. Enfin, nous y pourrons rien. Nous occuperons de la tyranquette ensemble de notre côté. Hey. Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je pense savoir qui pourrait nous aider. La professeure Pokémon de Galar, où est apparu le phénomène Dynamax. Genre la professeure. C'est qui d'ailleurs? La professeure qui? C'est le clavier et même après dans l'animé, professeur Magnolia. Vous allez me dire qu'elle est dans le jeu là? Je rêve. Sans frais dans le jeu? Je crois pas trop, hein. Ça veut dire que je passe le combat. Je pense que je vais le passer parce que... Avant des combats, c'est bien, mais c'est juste pour l'XP en fait. Moi, quand j'ai 140, ça fait un peu à rien les combats. Du coup, le combat, je vais vous le passer. Ce sera mieux. Et là, pour vous, ainsi que pour moi. Voilà. Voilà. Il a duré quoi? 15 secondes. Je sais que retirer 15 secondes c'est un peu minable, mais bon, voilà quoi. J'ai vraiment envie.
Et puis d'ailleurs, c'est bien parce que maintenant, quand je bouge avec mon doigt, bah, il n'y a plus le petit capteur, plus le petit rond là. Je suis content, le petit rond transparent. Et ça, je suis content, je vous le dis. Les plus impitoyables des hommes. Youpi! Encore plus! Si jamais vous trouvez que j'ai un peu trop efforé dans les vidéos, dites-le en commentaire. Ça fait quand même plus de 6 mois que Ça fait 6 mois plus que j'ai pas fait de vidéo pour le master. Parce que la dernière remonte au 25 décembre. Là on est le 25 juin. On vient plus 6 mois quoi. Allez. C'est ici qu'on doit la rejoindre. Yeah. Oui, la professeure Sonia a mené des recherches autour du phénomène du Yamat Tagala. C'est pourquoi je vais aborder l'article d'organisation avec elle. Nous ne pouvons pas le faire en ville, la Team Rocket pourrait nous discuter. Ah si. Ah, c'est pour ça que nous sommes venus ici pour être loin des oreilles indiscrètes. Yeah. Exactement. Et Clément est allé la chercher pour escorter jusqu'ici afin qu'elle ne se fasse pas en dehors chemin. Yes. Christy, quant à elle, est restée au laboratoire pour protéger la professeure de Lucie. Right. Ainsi. Nous ne reproduirons pas les erreurs du passé et cette fois nous mettrons un terme à leurs ajustements. Hey! Pardon pour le retard, merci d'avoir attendu. Oh my god, c'était Sonia, d'accord. Hey! Ah, c'est bien Sonia. On a eu du mal à trouver notre chemin en fait. C'est vachement sombre par ici. On a l'impression que tout. Thank you. Merci d'avoir accompagné le chemin. No problem. Avez-vous apporté ce que je vous ai demandé? Je n'ai pas essayé la tarte, mais oui, j'ai réussi à l'emmener. C'est un truc sur lequel je bosse depuis un moment, mais là, Mais là, quand c'était urgent de le finir, j'ai mis des bouchées doubles. Alright! Tada! Je vous présente le détecteur de source d'énergie duo Dynanax. C'est un vrai virlang. Oui, je comprends. J'aurais pu raccourcir quand même. Et quelle est son utilité? Exactement. Hey. Avec ce petit bijou, on peut détecter les galarions et les endroits où ils sont particulièrement nombreux. Donc, en gros, ça sert à trouver les Pokémon qui sont sur le point de dynamiser. Je vois, ce qui veut dire que nous rendons à l'endroit à la réaction du détecteur et la plus intense. Ah si. Il y aura de fortes chances pour que le repas de requête ne soit pas loin. Yeah. Exactement. Not bad. C'est incroyable pour faire un souvenir. Quelle aventure extraordinaire. Et mise au point en si peu de temps. Les finitions sont pas parfaites, mais je peux garantir qu'il est super précis. Right. Très bien. Alors allumons-le dès maintenant. Tiens, qu'avons-nous là? Une invention des plus agaçantes, si vous voulez mon avis. Hold on a tick. Qui est là? Permettront pas d'interférer avec les corps inédits de notre maître Giovanni. Not another step. Wallen anime la Team Rocket, nous ne laissons pas animer cette machine. He's so ouais, cool. Bien dit, Lance. Got a sec? On dirait qu'il nous enseigne. Huh? Hein? Tu sais, moi? Yes. Oui, moi, je connais, je te l'appelle. Wow! Ah bon? Comme il n'avait pas l'air de vouloir vous attaquer, j'ai pensé qu'il serait plus présent de vous occuper d'eux une fois réunis avec les autres. Alors cette amie de la Team Rocket a préféré vous suivre au lieu de prendre son courage à deux mains et lancer l'affrontement. Quelle lâche. What's the deal? Eh, mais t'as dit quoi là? Si elle s'est décidée, le défi nous est fini en un clin d'œil. Ça va pas bien pleurer quand nous aurons un réduit en bouillie. Désolé, mais nous sommes pressés. Why, Gio? Je vous demanderai de me vouloir vous retirer. Don't expect any mercy. Ça va, let's do this. Be very afraid of what is to come. Malheureusement, ils ont entendu. Peu, qu'importe, nous avons au moins réussi à gagner en peu de temps. Après tout, je m'attendais pas à ce que vous soyez capable de comprendre le but ultime de notre Giovanni. J'imagine que ce qu'il raconte n'est pas que du bug là. Yes. Ah, ça, il n'y a pas de doute. La Team Rocket est en train de devenir de plus en plus. No problem. Le danger qu'elle pose est bien réel. Je vais rester avec la professeure pour rassurer la sécurité. Right. Bien. Quant à nous, dépêchons-nous de trouver leur repère avant qu'ils ne soient trop tard. Ouais, j'avoue, c'est très bien. Alors, je crois que c'est bien. Hein. Il y a encore un combat, je vais me skipper. Ok, ça vous dérange pas, j'espère. Normalement, non. Bon, il y a un moment, il y en a un.
Ouais, bon, je vous passe. Bon, voilà. Je vous l'ai dit, hein. C'est pas fini, hein. Je vais me passer. Bon, justement, en fait, on perd pas de temps sur la vidéo. Elle sera peut-être un peu plus courte. Mais au moins, on perd pas de temps et la vidéo, elle peut être dynamique. J'espère. Bon. Alors, c'est ici que se trouve leur repère. Yeah. Oui, d'après le détecteur. Je me demande si Silver est dans les parages, lui aussi. Le connaissant, il est peut-être déjà à l'intérieur. J'ai partagé ce que nous savions avec lui. C'est à lui maintenant de décider ce qu'il compte en faire. C'est bien, on dirait que c'est un psychologue, Peter. Non, mais je vous jure, pour moi, c'est du dragon. Pour moi, ça va être les sortes de type psy, les enfin, tu vois. You surprise me. Tu as réussi à faire ton repère, ça va être bien. Il reste encore à t'acquérir si le courage et la folie du parmi nous. I hope you enjoy defeat. Je vais faire ça accepte de te You're going down. Bien. Oui, oh, oh. Oui. Putain. Ah, voilà ce que j'appelle un combat. Tu as gagné. All right. Tu me laisses pas le choix. Notre invasion n'est pas sûre et fichue. Et la témoignage est invincible. Listen. N'oubliez jamais que tous les Pokémon sont voués à être exploités par Activision. En plus, ce sera de bienvenue dans la 7G. C'est fou ça. La Team Rainbow Rocket. Allez, assez joué. Comment? Hey! Tu es Lambda, l'un des amis de la Team Rocket. Dépêche-toi de me dire où est Giovanni. Mais non. Bon, bah c'est raté. Nice one! C'est logique que. Je prends bravo d'avoir démasqué, hein. La fois était top, mais je suis d'avoir perdu trop de poids, ça ne me fait rien. Ok. Et voilà, maintenant la porte est fermée. Tu peux essayer ce que tu veux, tu pourras pas l'ouvrir comme un tour. Bah oui, Giovanni, hey ouais. Corbeau, tu diras cette fois, hein. Il y aurait sans doute pas de mot de passe. Count none yet. Tu gardes le secret, je te donnerai un joli bijou bien brillant, ok? Ah, mais attends, quand t'étais un cornèbre, que t'aimais être tout brillant. Oh. T'es grand maintenant, ça mettait presque les larmes aux yeux. Oh, c'est mignon. Non, ok. Enfin bref, le fameux histoire, c'est que t'es fait comme un rat. Je peux pas t'échapper. Mais Giovanni. Je crois qu'elle Giovanni. Oh zut, je suis trop emballé, j'ai créé le mot de passe. Voilà ce que ça rapporte de pas savoir la vidéo. Le mot de passe était du Johnny. Bon, ce qui est fait, je te laisserai jamais attendre maître Giovanni le dit de toute façon. Let's do this. Faire toujours vous pensez qu'être nombreux vous rend puissant. C'est pour ça que je vous dis tout ce temps. Enfin bref. Si je perds mon temps avec ce genre de bêtises, Peter et les autres vont finir par trouver Giovanni avant moi. Hein? Eh, vient d'où cette voix? Vous êtes là, vous? C'est Peter et tout. Ah, je ne sais pas. Nous sommes venus te prêter main forte, déjà. Va, nous. Papa et moi, on se charge de ce type-là. Tu peux compter sur nous. Hold it. Il n'est besoin de l'aide de personne. Arrêtez de vous mêler de ce qu'il voit car de pas. You. Ce que tu veux, c'est arrêter Giovanni, pareil. Tu veux vraiment pas comprendre ici avec ce type. D'ailleurs, j'ai essayé de le. Vous savez, je pense.
All right. Bon, j'ai fait mes prêts. Quoi? Damnation. Là, j'oubliais que j'étais plus déguisé en mode chevalier. Ah, ce que je peux faire maintenant, c'est de m'empêcher d'aller plus loin. Quoi? Faut vraiment qu'on va se faire. Let's see how you like attends this. Un peu, goûter à l'un de mes arcades de ninja récemment soudainement pour donner à la force de lire entre père et sa fille. Ou bien ça. Qu'est-ce que ça se tire? Hey! C'en est fini pour vous. Vous ne me forcerez plus jamais un Pokémon Dynamaxé. Vous allez mettre un terme dès maintenant. C'est. C'en est fini pour nous, tu dis? J'ai bien peur que vous arriviez un peu trop tard, que vous arrivez un peu trop en retard pour vous permettre de tenir votre propos. Comment? Oh, Giovanni, yes! Giovanni. J'ai mis un mon repère, maître de Kanto. C'est maître de Johto, nous parlons. Je sais pas si c'est ça, maître de Kanto. Moi, ça c'est tellement le maître de Kanto. C'est le maître de Johto. Ça me paraît bizarre. Ça doit être un peu, je sais pas. Alors, quand on bat, je vous laisse, hein, celui-là. Je vous laisse. Je vous bats. Bon voilà, c'est fait. Du coup, à mon avis, c'est la dernière étape, puisqu'on est un petit peu seul contre une organisation. Le seul sans raison de Silver. Et anecdote sur Silver, hein. Pas de personnage, hein. Mais Silver, c'est aussi le nom de mon chat. Et ça, franchement, j'adore. Mais je l'ai mis comme ça parce que c'est sa couleur, je l'ai pas donné par rapport à, au personnage de Pokémon, c'est ça qui est drôle. Allez. Vous avez pris votre temps, dites-moi. Mais je vous en remercie. Grâce à cela, j'ai eu le temps d'atteindre mon objectif. Quel objectif. Tu es un peu loin, détends-toi, non? Il part des dieux Dynamax. Tu as réussi à former un dieu Dynamax. Yeah. En effet. Nous sommes entrés en tout point différent de ces Pokémon qui se Dynamaxé de manière inattendue dans tout passé. Car à présent, j'ai Dynamaxé mon Pokémon quand bon me semble. Grâce aux recherches de la Pokémon Bélis, nous avons pu mener à nos propres expériences et en voici le résultat. Je suis également inspiré de ces luttes ultimes que les dresseurs de duo de Valtua renforcent fièrement. Tout cela absolument fascinant. Le simple fait de parler de ces vêtements donne aux gens l'impression d'être connectés à leur Pokémon. Oh non! Tu veux dire qu'un Pokémon a accepté de se lier à être aussi malfaisant que toi, comme Mewtwo l'a fait auparavant? Time for action! Si cela c'est difficile à croire, eh bien en voici la preuve. Viens te mesurer la puissance de la maléfique. Shall we begin? Viens avec toi! Que cette soupousse. Le repère s'effondre. Ouais, je crois, on peut s'en dire assez. Mais moi, je suis dessous comme ça, j'ai peur. Moi, merveilleux, admirer la véritable puissance d'un dieu Dynamax. Voilà ce que je recherche depuis toujours. Une puissance incommensurable. Oh non! Je n'arrive pas à croire qu'il a détruit son propre repère. Oh man! La force destructrice de la méga évolution du Dynamax est vraiment incroyable. Hey! Comme d'habitude, tu es incapable de faire quoi que ce soit par toi-même, est-ce que je vois? What? Silver! What a joke! Tout le monde ici a été épuisé après avoir affronté des armes de pire. Je trouve que tu fais un peu trop fier pour quelqu'un qui s'apprête à se battre contre des adversaires aussi affaiblis. C'est ainsi que fonctionne une organisation. Tout à fait. S'allier à d'autres individuels permet d'être plus fort. Et ainsi, bien plus efficace. Et un enfant qui pense pouvoir s'accomplir seul ne sera jamais en mesure de comprendre cela. Tu
Ça ramène beaucoup pour quelqu'un qui est incapable de faire quoi que ce soit pour lui-même. Sans Giovanni, vous n'êtes rien, voileux. Mais un enfant, tel que moi, peut voir ça. Tu crois tout savoir sur nous? Comment oses-tu dire des choses pareilles? Je suppose que tu es de la sorte. C'est que tu es devenu assez puissant pour en assumer les conséquences. Yeah. Évidemment. Puisque vous faisiez des trucs en douce. Bras dessus, bras dessous, moi, je m'entraînais. Et oui, tout seul. Et c'est bien suffisant. Let's see how good you are. Mettons pas en tout, je vais le faire pour tout, papa. Bon, maintenant, expert et tout, je pense, ouais, je vais pas les faire en vidéo, qui paraît logique. Enfin, au moins, je peux faire quand tout. Oh, ouais, c'est comme si j'avais allié les deux. Le lié, ça avance le prochain truc. Je pense pas, c'est surtout. Ami et écho. Excusez-moi. Moi je t'ai dit que c'est moi j'aimerais bien l'avoir en plus, c'est un méga et tout, c'est trop bien. Quelle est la situation à l'extérieur? Eh bien, il est difficile de prévoir quand un Pokémon Dynamaxé va être à la fin. Les champions d'arène vont poster aux alentours et prêts à tenir des Malheureusement, nous ne pouvons pas être certains d'être tirés d'affaire tant que Peter, Silver et les autres ne vaincront pas Giovanni. J'espère que tout se passera bien pour eux. Après tout, Giovanni n'est pas le même. Oh boy. Je pense que je doute que Sylvain se mêle de autres, vu le peu d'esprit d'équipe dont il a fait ça dans le Sure thing. On va vérifier la situation sur place. Huh? Oh, vos tenues. Ça va là, je suis le plus chill. J'ai essayé de nouveaux partenaires Pokémon en plus de l'officier. C'est une nouvelle page de saison pour nous tous. S'il vous plaît. Je compte sur vous, mais n'oubliez pas que vous allez à faire un meilleur détail. Yeah. Mais ça vaut bien, mais nous devons quand même y aller. Parce qu'on veut aider nos amis. Ok. Oui, mais il est hors de question de nous laisser s'attaquer à parce que sans rien faire. Hope you're ready. On arrive, Silver, tiens bon. Attends, c'est lui ici. Hey! Regardez là-bas! Mais qu'est-ce qu'elle doit plus se passer? Yeah? Oh, lutte! Giovanni est maintenant capable d'utiliser le fond de son axe. Marco Mortimer et moi avons tenté de l'affronter, mais sans succès. Silver est ensuite arrivé pour le défier, mais. Je maîtrise la méga évolution et le fumé évidemment. Je n'ai pas le temps à tout poser à moi. C'est pas encore fini, je peux encore. Eh bien, tu t'es arrêté là? Je vois, tu es incapable de forcer un Pokémon blessé à combattre. Est-ce qu'il y a bien ce duel, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu veux que nous allons trouver un ami. Tu peux bien m'excuser à présent. Hey! Où est-ce que tu vas? Yeah! J'ai pas encore l'occasion de saluer le roi de Bastion. Je m'en vais de cette part et rectifier cette interaction, mon papa. Mais pour cela, je peux bien me présenter les mains. Je ne voudrais pas que l'on m'accuse de crime de l'ex-majesté. À mon avis, il va se faire à Alexis. Enfin, avec ses deux esclaves, on va dire.
Ça voudrait dire que... Yeah. Exactement. Et qu'on s'en prendra à Alexis. Giovanni a pour objectif de conquérir tout Pastio. Nous avons probablement encore un peu de temps avant qu'il n'agisse. D'ici là, nous devrions en profiter pour récupérer et nous réorganiser. J'espère juste que Steve va revenir. Il est là, mais sur le. J'aimerais lui remonter le moral, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Il connaît ses propres faiblesses. Mieux que personne ne sait qu'il reste à faire. Nous ne pouvons rien faire d'autre pour le moment qu'attendre qu'il se décide à aller de l'avant. Would you do me a favor? Alors restez à sa côté jusqu'à ce soir. Silver ne soigne pas ses sentiments autant qu'il devrait, mais il vous tient tous en haut. How lovely. Je suis certaine que ça rassure, que ça rassure en rien de savoir qu'il vous a pour amis. Vous avez mm-hmm. mal. D'accord. Combat, c'est super chiant. L'avantage dans les combats, c'est qu'il faut faire une pause pour parler. Quoi? Non, je peux faire une pause pour éviter de parler. Voilà. Parce que à force de parler, c'est vrai que ça commence à un peu fermer la mâchoire. En plus, je parle fort pour essayer de me faire entendre. Ça n'arrange en rien du tout. Super quoi. Bon, la suite. Ou Alexis, non, pas encore. Je suis pas sûr qu'on va le voir d'ailleurs. J'espère que Sylvain ne revient pas trop. Ouais, moi aussi, il était vraiment déterminé à vaincre Giovanni. Ça a dû faire déprimer de perdre contre un gars qui tenait tant à battre. Je suis sûr qu'il va bien. Après tout, c'est Silver qu'on parle. Mm-hmm. Very impressive. Hein? Oh là là, regardez. Kuya? Non, pas du tout. Oh. Silver et Fredo. Tu possèdes une force incroyable pour quelqu'un d'aussi jeune. Je peux voir que ton Pokémon a énormément de confiance en toi en tant que connaisseur. En revanche, hey Silver, on t'a cherché partout. Oui, pas content. Qu'est-ce que vous me voulez? On voulait te parler de pendant que Peter et les autres regardaient leurs propres Pokémon se reposer. Hey dis, tu veux pas te joindre à nous pour affronter la Team Rocket? Non. Je pensais avoir été clair, je préfère travailler seul. Mais... dans la vie, il y a des trucs dans lesquels il est impossible de se battre pour recevoir l'aide de personne. Hey. Après tout, tu étais bien en train de t'entraîner avec Fredo à l'instant. Ça aussi, ça compte comme recevoir de l'aide, non? Do you have a moment? Qui a-t-il de mal à compter sur aussi? Tu es bien trop impatient, je veux. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue tantôt lors de notre combat. Hold it! Tu es frustré de ne pas parvenir à atteindre les idéaux en lesquels tu crois et tu tiens à surmonter tes faiblesses à tout prix. Ne penses-tu pas qu'il y a des obstacles que tu ne peux pas surmonter seul? Non, c'est vrai. Allez, Silver, laisse-nous te dire. Yeah. Je sais que tu tiens à la revanche contre un... à ta revanche contre un contre Giovanni. Je sais que tu tiens à ta revanche. Oula, il y a une erreur ou quoi là? Ouais, à mon avis, enfin, je préfère que si vous voyez la vidéo, vous dites en commentaire si ça se dit en français ou pas, parce que là, je sais pas. Et pour arriver jusqu'à lui, il va d'abord falloir qu'on se batte ensemble pour faire tomber la Team Rocket. Vous comprenez pas ce que je ressens? Hey. C'est un problème qui ne regarde que moi. Laissez-moi tranquille. Non. Même pas en rêve. Quoi? Il lâche pas l'affaire, ma parole. Écoute, on est des amis ou pas? Des amis? Alors que vous ne comprenez même pas ce que je ressens. On ne peut pas comprendre ce que tu ressens, car tes sentiments n'appartiennent qu'à toi. Mais on veut vaincre Giovanni tout autant que toi. Silver, s'il te plaît. On dirait un coup de mimé fort, quoi.
toujours assez têtu à ce que je vois. C'est pareil, c'était pareil à Johto. Je compte plus le nombre de fois où on s'est affronté et le nombre de fois où j'ai perdu face à toi. Mais c'est grâce à ça, que j'ai. Oui, c'est Pokémon de son équipe. C'est vrai en plus, hein. Yeah. Vous savez quoi? C'est d'accord. Mais seulement jusqu'à ce qu'on pointe devant Giovanni. What? C'est vrai, tu veux bien? Hey. Il veut et dit que lui, il s'en fiche pour moi. À la condition que vous n'avisiez pas d'intervenir quand j'affronterai Giovanni. Si l'idée de vous mêler ne serait-ce qu'effleurer votre esprit, je m'occuperai de votre cas avant de m'attaquer à lui. Sure thing. C'est compris. Yeah. Merci pour vos conseils aussi, j'imagine. Ne t'en fais pas pour ça. Contente-toi de faire de ton mieux. Après tout, on ne sait jamais combien de temps il nous reste auprès des amis qui regardent la même direction que nous. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Oh, ce sont là que des réflexions d'un ennemi. Comme tu l'as dit toi-même, on ne peut pas tout à fait comprendre ce que ressentent les autres. Voilà pourquoi avoir à nos côtés des amis qui sont prêts à tout pour nous. Et ce, en toute circonstance, est une véritable bénédiction. Et donc, et oui, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. La vie est ainsi faite. Je souhaite donc que l'amitié vous lie soit éternelle. Ah. Really? Quoi? Ok, on arrive tout de suite. Écoutez tout le monde, il y a du mouvement du côté de la petite roquette. Yes. Bon. Et bien, on va encore devoir s'occuper de leur cas. Maintenant, quoi. Esprit uni. Esprit uni, on dirait vraiment, vous savez, le nom d'un magasin. Esprit uni. Bon, et vrai, je m'inspire un peu de Yo-Kai Watch avec le nom. Esprit uni, tu veux voir, c'est comme ça, je sais plus comment ça s'appelait. Ils ont déjà envahi la villa. Excuse me? Non, nous les avons attirés à l'intérieur intentionnellement. Ah, d'accord. Hector, Blanche. Hey. En s'affrontant à l'extérieur, on courait le risque d'impliquer les duos qui n'ont rien à voir là-dedans. Sans compter qu'à l'intérieur, on a l'avantage du terrain de s'enchaîner d'une certaine manière. Ah, je vois. Mais je vais pas vous mentir, ils sont si nombreux qu'on mène pas vraiment large de notre côté. Yeah. Dans ce cas, on doit se dépêcher, il faut voir que le Giovanni... It's not another step. N'y comptez pas, nous ne vous laisserons pas vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, yes. D'où ils sortent, ceux-là? Hey. C'est pas très poli de parler comme ça à des gens, gamin. On dirait que t'as jamais vu des fantômes, tu vois bien qu'on a des gens, mais et tout. Je suis terriblement désolé, mais nous ne pouvons pas vous laisser aller plus loin. Nous sommes ici pour gagner du temps afin de permettre à notre maître Giovanni d'exécuter son plan. Comme d'habitude, vous n'osez pas attaquer à nous parce que nous sommes plus nombreux. Vous êtes là en table. Allez-y, nous, on va y régler leur compte. Yes? Oui, laissez-nous nous occuper. Alors comme ça, on croit pouvoir nous arrêter? Il y en a qui en doutent de rien. J'ai surtout hâte de vous remettre à votre place. J'ai pas oublié ce que vous avez fait à Doublonville. Fargas m'a raconté les choses atroces que vous avez fait à celui-là, à ce pauvre Amolos. Vous devriez avoir honte de vos actions. Tiens donc, si ce n'est pas gamin, nous décorcerons. Blanche, Hector, on compte sur vous. Attends. C'est un peu combre, hein. Ils ont beau être super forts, ils ne sont quand même pas que... Ils sont quand même que deux. Dans ce cas, nous allons nous joindre à eux. C'est les autres là. Yes. Oh. Ok. What? Peter, votre Pokémon et vous allez mieux? Yeah. Oui, merci. Tout va bien maintenant. Les deux meilleurs tacologues et des Nebels sont arrivés. Avec Hipporo et moi, vous n'avez plus rien à craindre. Uh-huh. Un maître et notre champion d'arène, c'est bien entendu parfaitement. Don't expect any mercy. Je ne pourrais pas rêver mieux comme notre adversaire. Let's do this. Let's do this.
Ursa Blanche et aux autres qui occupent des membres de la Team Rocket, tout se passe pour l'instant. Ouais, mais on n'est pas au bout de nos peines. Il y a 4 admins de la Team Rocket en tout. Ce qui veut dire que on ne bouge plus. Voilà, celle-là. Allez hop là. Et voilà, je vous disais bien que ça ne serait pas aussi facile que l'on pensait. Évidemment, on ne pourrait rien vous laisser fouiner partout comme ça. La fierté de la Team Rocket ne permettrait pas. Et moi, je ne permets que vous fassiez souffrir ces Pokémon. Ignorer les sentiments des Pokémon et les forces de l'humanité contre leur volonté, c'est une honte. Comment osez-vous vous prétendre dresseur? Les Pokémon ne servent pas, ils ne servent qu'à amasser de l'argent. Comme si j'allais penser à quelque chose d'aussi futile que les sentiments des Pokémon des autres. No way! C'est ignoble. Alright! Mais vos Pokémon, s'il vous plaît. Le Silver, laissez-le charger ce jeu d'elle. Compris, mais ne pensez pas, le risque est utile. Je ne risque pas parce qu'on va devoir le tout donner pour la battre. Yes, c'est le but. Allez mon gars. Ça n'a pas l'air de vous déranger de vous servir des Pokémon pour combattre là. En quoi est-ce différent que nous faisons? Nous sommes devenus dresseuses parce qu'on aime les Pokémon. Si c'était pas le cas, on passerait pas notre temps à carapauter dans les autres herbes à courir après eux. C'est notre amour des Pokémon qui a fait de ces moments difficiles de souvenirs précieux. Impossible de perdre contre des gens comme vous si que vous avez oublié ce que tout ça signifie. Avec moi, Célestin. C'est parti, on va leur montrer la force des liens entre les humains et les Pokémon. Parlez, ma boy. Déjà 51 minutes de vidéo, y compris le début. Incroyable. Par contre, j'avoue qu'il faut quand même que ça se termine un moment, quoi. Et ça serait bien. Combat contre le mal. Espérons que ce soit le dernier. Je suis pas sûr. Oh là là. Parce que dans le combat, on était qu'au niveau 90, ça. Oula. Allez, c'est du mal. Ah oui, d'accord, les yeux. Hé, ça n'est fini de vous. C'était plus facile et prévu, mais j'en attendais pas moins de la part de celui qui s'est fait appeler le roi des passions. Et même sous cette force, je ne pensais pas que le pape produirait de tels résultats. Ce pouvoir lui permettait de déformer l'espace et d'invoquer humains et Pokémon par sa simple volonté. Cela pourrait s'avérer très utile pour mes plans. Oh non! What? Ou pas? J'ai réussi à mettre cette magie. Pas souhaité trop fort que tu aies mal à la Team Rocket. Il est encore trop tôt pour créer victoire. Après, j'ai pas dit. Il ne passe souvent en gorge de dresseurs qui ont encore une puissante lueur d'esprit dans le regard. À l'instar de cette lueur. Well done. Eh bien, vous avez pu pas venir bien loin, dites-moi. Je devais être le duo le plus. Oui. Je vais m'occuper de cet ennemi. Quant à toi, Silver. Yeah. Je sais. Hope you're ready. Hey, toi, je suis prêt à en découdre. Je vais te donner une bonne leçon, comme le fois où j'ai fait à ton radio. Peut-il, tu comptes vraiment me défier au vu de la situation? Soit. Tu verras qu'en coup de me sous-estimer. Silver, surtout, n'oublie pas. On se bat pour. Peut-être séparément, mais nos esprits ne font qu'un. Alors ne t'en fais pas, il est impossible qu'on perde. Comme si tu es rire. Pardon, répète un peu. Mais dans une situation comme celle-ci, tu t'obstines à vouloir te battre seul. Hold it. Je ne deviendrai pas comme toi, je ne te suis toujours pas prêt. Fais comme bon te semble. Dans ce cas, tu as mon intention. Après tout, le rôle d'un adulte n'est-il pas d'enseigner au plus jeune à quel point le monde peut être cruel? Let's see how good you are! C'est bon cette musique, hein? Hmm.
j'adore. Moi j'adore que tu les aimes comme ça, j'adore. Ok. Aïe aïe. Non, pas du tout. C'est fini. Ok. Oh yes. Oh oui, Lydia ensemble. Alors là, incroyable. Forgive me. Maître Giovanni, je suis désolé. Pathétique. Il aura finalement fallu qu'un ami vienne à ton secours. C'est bien la preuve que tu ne peux rien faire par toi-même. Sorry. Je suis désolé, Silver. Je n'avais vraiment pas l'intention de m'en mêler, mais comme il faut absolument qu'on gagne pour protéger les gens de Pastio, j'ai. Merci. Salut, hey, c'est bon. Ça part. Si tu. Enfin, si vous n'aviez pas tous été là, j'aurais perdu. Je n'aurais même pas pu arriver jusqu'ici. C'est ça la réalité. Mes capacités actuelles sont limitées. Enfin, je suis dégoûté de ma propre faiblesse. Silver. Tiens donc. Comme tu l'as si bien dit, avec mon niveau actuel, je suis incapable de te battre. Mais pour venir en aide aux gens de Pastio, je réalise que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. C'est pourquoi, à partir de maintenant, ce n'est plus mon combat personnel. C'est à combat pour représenter la Team Rocket. Enfin, juste pour cette fois. La prochaine fois, je m'occuperai bien de ton cas moi-même. Je vois, ton regard un peu plus élevé, c'est présent. Ok. Prêt à lutte, ensemble, on va craindre Giovanni. Yeah. Ouais, viens, on y met tous les deux la victoire et garde. Ouais, avec les deux en plus. Dans ce cas, je vais moi aussi devoir m'appliquer un peu plus. Vous n'avez pas d'inconvénient. Shall we begin? Préparez-vous à goûter à la véritable puissance de Giovanni et Michel de la Team Rocket. Putain, c'est passionnant, je vous jure. Je vous mets le combat, c'est normal. Regardez pourquoi. Allez, les gars. I'll crush you. Allez, tout seul. L'avantage c'est que les deux parties sont variables. L'avantage. J'espère que ça ne sera pas quelqu'un, mais oui. Allez mon gars. Du coup on part pour le chapitre. Fin et commencement. Il y a vraiment un titre pour Jagger et pas écrire. C'est pour Jagger. Ça m'a ajouté. Bon. Bam. Aïe. Ah, pas facile de prendre le. J'arrive pas à croire qu'il y ait une telle différence de force entre nous. Ça me dit.
Mec, le moment est presque venu. Vraiment, j'imagine que nous nous sommes un peu trop attendus. Je crains que nous soyons trop de temps. Not on my watch. Police internationale, vous êtes servi, Giovanni. Oula. En plus, la même, nous. Comment la même dresseur. Bah, Péadonis, Ivo et Kirill sont là aussi. My apologies. Désolé d'avoir pris autant de temps. Quand j'ai appris que la villa de Messi avait été envahie par Team Rocket, j'ai essayé d'obtenir des renforts qui ne meurent pas. D'autres duos sont également en chemin. Vous êtes peut-être forts, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'affronter tous les duos de passion. Yeah. J'écoute. Ah. My apologies. Chef, patron, de vous déranger. Un maître et un champion arrivent dans votre direction. Yes. Je vous envoie tout de suite les membres qui peuvent encore se battre en rang. D'ailleurs, j'ai un deux. Il est mort. Oh, le petit 4 de retour. Oh putain. Eh, qu'est-ce que vous. Ah. Libéro. Qu'est-ce que vous faites, Libéro? Il faut. Hey, you. Hey, Giovanni, tu m'entends? Aide du conseil 4 à l'appareil. Chaque et moi, on a mis une raclée à tes larbins. Pendant combien de temps tu crois pouvoir continuer à ton petit manège avec nous autres à tes trousses? Ah. Il a dit, mais pas. Ça sonne trop bien. Il est temps pour moi de me retirer. Nous affronter fut une expérience très enrichissante. Cela m'aura permis de comprendre la force dont j'ai besoin pour arriver à mes fins. Ces derniers jours, j'ai pu voir un bon nombre de choses qui m'ont retenu mon intérêt. Entre ceux qui s'obstinent à vouloir devenir plus puissants en combat seul, ceux qui ne recherchent pas la force brute sans se soucier des méthodes employées pour y arriver. Et leurs enfants dont les yeux sont déjà ceux dans la merde. Passion est effectivement un endroit des plus fascinants. Hold it. Tu crois vraiment qu'on va laisser t'enfuir? Hé, je vais déjà prendre mes dispositions comme tu peux t'en porter. Vois-tu, j'ai fait toujours en sorte d'avoir une longueur d'avance sur mes adversaires. Je me prépare donc en conséquence. Super. Ah, bon. Excuse me. Chef Amos, je suis là pour vous escorter. Ah, voilà, ça veut dire que. Farewell. Eh bien, il est temps de tirer ma révérence. Du moins, parfaitement. J'attends notre prochain combat avec impatience. Ok, le port. Super. Pouh, quel lâche. La puissance de Giovanni était vraiment impressionnante. On ne le battra jamais à notre niveau actuel. Il faut qu'on devienne plus fort. Je suis totalement d'accord. Pardon ? Bon travail à tous. Je suis content de voir que vous allez bien. Mais Giovanni a réussi à lui filer entre les doigts. Et moi qui pensais qu'il avait appris de ses erreurs après tout ce qui s'est passé à Johto. Mais il n'a pas changé du tout. Certes, mais cette fois vous avez réussi à déjouer les plaques de la Team Rocket. Après avoir investi autant d'efforts pour couvrir le patio, il a fini par échouer. Quelque chose mieux qu'il va finir pour faire profil bas pendant quelques temps. J'espère que ce sera aussi simple que ça. Pas sûr. Hey, où tu vas? Maintenant que le combat est terminé, notre coopération l'est aussi. La prochaine fois que je m'assurerai d'avoir atteint la véritable puissance, celle-là, celle qui me permettra de me battre seul sans l'aide de personne. Hey. Et puis pour y arriver, je devrais d'abord te vaincre, Lux. Alors, tiens-toi prêt. Yeah. Évidemment, puisque tu es mon rival. Yeah. D'accord, défi accepté. Je me demande quand même si j'ai réussi à me rapprocher de Silver. Ne serait-ce qu'un petit peu. Allons, ça fait un bon moment que j'ai déjà. Que vous êtes proches tous les deux. Yeah. Il y a plus d'une manière d'être amis, tu sais. Et être rivaux, c'est une façon commune, autre. Je confirme. C'est vrai en plus. On va voir Giovanni encore. Maître Giovanni, nous avions beau être à vos côtés. Aucune importance. Le premier objectif a été atteint.
Cependant, il y a bien plus d'un désirable variété de passions que ce que je crois que j'attends. Tapissons-nous dans les ténèbres et agissons dans l'ombre pour l'exister. Que voulez-vous dire? Qu'il n'est pas nécessaire que toute attention soit braquée sur nous pour chacun de nos plans. Sur cette île, nombreux sont ceux qui peuvent devenir les ennemis. Mais n'y a-t-il pas un risque qu'ils ne se retournent contre nous et qu'ils deviennent les adversaires? Yeah. Si c'est le cas, nous n'aurons qu'à les anéantir, en même temps que les autres fauteurs de troubles. Mon avis, ça a mis de suite. Vous avez terminé Johto. Continuez de participer à des combats et de vous entraîner pour de futures aventures. Les tirages, je ferai pas parce que j'ai pas eu que l'armée sur mon plante en fait. J'ai pas envie. Après une heure de vidéo, j'ai pas envie. Bon, bah c'est terminé. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu tout regarder parce qu'en 1 heure c'est pas beaucoup. Et j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Bon bah sinon on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Espérons Pokémon Master si vous me le demandez. Et que je ferai sûr. Mais donc je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine les amis. Salut !